bateau et cargo ça qui fait dans Baltimore. Donc Baltimore n'est pas loin nous là de côté nous là, il y a à peu près une heure de temps, ça dépend si par trafic il va à peu près une heure de temps. Un bateau ça qui bonheur matin à diverses zones une heure et demie comme ça, mais bateau à transporter marchandises et on sait de cargo, son bateau qui bat pavillon mais qui gagne drapeau et Singapour là-dedans, mais bateau ça il a perdu contrôle ou quelque soit ça passé à parce que nous pas connait encore parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Un bateau allait le frapper et pylône support comme ça qui sont pas côté grand pile circulation, mais en plus on dit que heureusement bah là ça passe à le passer la nuit parce que s'il était passé dans heure de pointe qu'on a matin les on parle dans travail et bien t'as grand pile dégâts qui t'a fait, mais plus ou moins autorité a dit d'après des chiffres qui pas qui provisoire et bien yo sauvé deux monde qui étaient tombés dans l'eau que retirer récupérer mon ça et bien gain pour pibiti sept machines qui en bas d'eau, mais jusqu'à maintenant on n'a pas la voilà là, donc c'est que c'est toujours à chercher et mon ça qui en bas de l'eau et mon ça qui seulement qui dans machine ça yo yo par contre qui quantité passagers qui dans machine ça les machines yo et les points crasés et puis machine qui t'a venu bon sans attendre pas t'as pas attendre qu'on s'attarde et sont portés conscients du 17e siècle pour transporter tabac par exemple en Angleterre. Eh bien, pour ça, son pas côté gain, pile activité qui fait en bas pour ça, donc, non, et fleuve là, que le traversé, mais bateau ça, qui peut transporter surtout machine, sautis, et machine qui fait aux États-Unis, et machine tout qui sautit à l'étranger, donc, en pile activité, et gouverneur d'État Maryland, là, Westmore, eh bien, il décrète un état d'urgence, et gouverneur fédéral, là, tout, président Joe Biden, et prend la parole, dans l'occasion, à côté que, il parle des efforts que gouvernement fédéral a fait lui-même, pour lui porter secours, et pour lui porter assistance, bah, État Maryland, autorité, tout ça a besoin, pour reconstruire, et pour ça. Alors, et d'après une déclaration que le président Joe Biden fait, ben, il dit que lui-même, pour lui-même, eh ben, gouvernement a pris responsabilité pour lui rebâtir, et pour ça. Et son pont qui empile les activités là-dedans. Et donc, au monde qui est à Maryland, eh bien, on est capable de faire son auto qui fréquente en pile. Et son pont, son route qui, son pont tout qui dessert en pile l'activité qui est liée ils ont parti dans l'État Maryland avec sous-pralé dans la zone nord, ou sous-pralé un petit peu vers l'est, donc on pralé dans la zone, on pralé dans, soit pralé sur le gouvernement de New York, même c'est une côté qu'on utilise sous ta dans la machine. Donc c'est comme ça la situation. Et en attendant, et ce coup-ci, on continue à faire recherche pour qu'on ait qui ça qui était cause et incident ça, c'est-à-dire nos accidents ça, côté que jusqu'à présent c'est nos débuts. Et bien, dans notre nouvelle, nous, on connaît un acteur qui est le Sean Diddy, et bien, autorité au FBI, et bien, ils ont visité la CAI Michel, donc ils font descendre de la CAI, que ce soit dans la résidence qu'il y a dans Miami, Floride, ou bien la résidence qu'il y a tout dans Los Angeles, en Californie, eh bien, là, eh bien, autorité, justement, il y a une enquête qui a mené, justement, pour qu'on ait de qui prévient, de qui mené, qu'est-ce qui passe exactement. Mais, il y a la question d'Idi, ou bien, si c'est pas lui-même, il y a un proche, lui, qui t'a impliqué dans ça, où il y a un, et sexe, trafic sexe. Donc, son bail que l'autorité prend à cœur. Et qu'il y a pas enquêté pour qu'on le mette. Jusqu'à présent, nous, au niveau enquête, et d'après nouvelle, yo, ou innocence cachée au pouvoir, mais il n'a pas dit que t'es une chaîne d'idée, et pas, il n'est pas qu'on finit trop clair net sur, est-ce que c'est petit monsieur qui a cherché, ou bien, que t'es joué une guerre dans une résidence, ou bien, c'est chaîne d'idée même. Mais, son nouvelle que n'a pas gardé pour, et n'a suivi, n'a vient avec plus d'informations, justement, pour nous parler de, et ça qui passait, et ça qui passait là. Non, tourner tout, on a prévu toujours dans l'actualité à tout pour nous parler, en plus de ça, n'a pas l'eau, et, de ancien président Donald Trump, de son dossier qui chauffe en pile, ancien président Donald Trump est toujours dans le tribunal. Hier, lundi 25 mars, là, il était devant le tribunal. Et justement, ce dossier, l'argent était bah, imbattable pour empêcher une dame qui était, en fait, je dis qu'il était en relation avec lui, alors, en relation intime.
Alors, l'élection 2016, yo, et l'État semble que ancien président, Mandel, nous voulons l'argent pour être capable de faire lobo, pour être capable de faire bruit avec Bala. Eh bien, de toute façon, il tourne contre quand même. Eh bien, la justice a décidé à ce que l'ancien président on caution. Et sans perdre environ plus passer, en fait, 175 millions de dollars et comme caution. Et puis, tout pour les procès, après, c'est fait 15 avril. Nous rappelons que d'après tout dernier chiffre qui vient dans l'élection présidentielle américaine, ben, ancien président, il est toujours candidat. C'est lui qui est candidat favori, et c'est lui même qui peut représenter le parti républicain dans l'élection présidentielle novembre 2024. Et son élection, que, il n'est pas un concurrent encore, puisque dernier candidat, le Téguin Fastia, qui a fait une nomination parti républicain, c'était Nikki Haley, ancien gouverneur État Caroline du Sud là, et bien, ancien gouverneur à l'école, non, cours là, donc, seulement, et ancien président, c'est lui qui, seul conscienté, qui va faire face avec le président sortant américain, à parler que démocrate, et Joe Biden, qui est ma proposition des partis démocrates en élection présidentielle, donc, son dossier qui était lourd quand même, et qui pral, et qu'on est, c'est un match, l'autre face à face encore, qui a justement répété ça qui est passé en 2020, les deux candidats, ça, qui, et une 77 ans, l'autre a 80 l'année, donc, Tom qui 77 ans, ancien président Joe Biden qui 80 l'année, on imagine que, qui en élection ça va aller, et en plus, le monde, on tient à prendre un accord, qu'on a pu connaître dans quelle position, dans quel sens que, yo, pour aller voter, et, ou bien voter, ou bien pas voter en faveur, et, en faveur d'une ou deux candidats. Et, sur l'autre grand point qui est censé tourner en actualité, c'est, nous parlons d'Afrique, côté que, et président, nouveau président sénégalais, nous connaissons le Sénégal des élections présidentielles, et bien, l'élection, ça, les, un résultat, et c'est nouveau président, monsieur, les, Bassiou Diomaye Faye, m'explique bien prononcé lui, et bien c'est lui qui a remporté l'élection présidentielle, et nous comprenons qu'il y a un peuple là qui est content et résultat, et même le Premier ministre et Sénégal là, ben lui-même défend le discours de concession contre les pays reconnaître, et que pas dire que l'élection effectivement que le gain était salué. En faisant une petite déclaration que le nouveau président Sénégal là a fait dans ces circonstances-là. Amélisant, président de la République. Le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Donc, nous, nouveau président, il y a engagement pour former un gouvernement, vivre ensemble. Pour nous, on peut garder nos qui ça avait dit. Mais de toute façon, et c'est engagement ça dit. En fait, d'après nouvelle, c'est et puis jeune président, il a dit. Que peut-être Sénégal, et même pas du continent africain, même, j'en connais. Et puis, bon, l'autre nouvelle, là, c'est que le nouveau président, M. Gelegé, a parlé de deux premières dames. Et d'après ça, Tipaol, on a dit, il semblait que l'Italien, bon, en tant que musulman, les lois musulmanes sont différentes par rapport à l'autre royaume, qu'elle a accepté à ce que, aucun d'agrès, il y en a plusieurs madame. Donc, il nous a déjà parlé de deux madames. De donc, c'est dans ça nous sommes bien là. Et puis, nous parlons tout et dans la crise du pays d'Haïti. Alors, nous, avant de traverser la crise du pays d'Haïti, nous parlons de la République dominicaine. Côté que la communauté internationale, en particulier le Canada, qui est le premier ministre canadien, et Mélanie Joly, qui fait déclaration que des 10 pays, le Canada, prend des dispositions pour que évacuer en Haïti, soutien en Haïti, mais dans la République dominicaine, citoyens canadiens qui sont vulnérables.
donc monde qui malade ou monde qui vieillard etc. parce que je te dis que j'étais prendre des dispositions pour t'empêcher et depuis longtemps j'étais averti canadien pour pas t'en en Haïti à cause crise pays d'Haïti à traverser. Donc Mélanie Joly il a annoncé que Canada et puis il a fait une vacation en deux parties, qu'au premier il a fait en République dominicaine puis dans l'autre partie il va le faire non l'autre moyen que va le faire la France tout lui même tout fait même bagarre tout et lui même tout lui déplacer citoyen pas de tout gagne mener en République dominicaine et que lui mener et non l'autre côté et que c'était certainement pas le mener en anti non une anti française. Donc sous dossier ci là donc crise Haïti a nous qu'à comprendre qu'il y a qu'elle a fait parler parce que non bah mon a babier c'est hélicoptère qui a vienne prendre monde et grand pile question qui a posé tout est-ce que hélicoptère ça qui a vienne prendre monde yo prétend que grand pile cop qui au payé pour transport là si c'est pour vacation officielle si c'est passage qu'on ça peut faire et mais yo prétend yo dit que il est très difficile est-ce que hélicoptère ça est-ce que un droit pour atterrir au côté en Haïti gain bruit au fait non c'est de côté. Donc, il y a des gens qui disent ça, babier, ou bien, des gens qui partent tout. Est-ce que les gens savent, est-ce que vérifier, c'est-à-dire, est-ce que les gens savent passer dans l'immigration, parce qu'il n'est pas semblé que l'évacuation, il y a fait non pas officiel. Donc, ça veut dire qu'il y a une pile possibilité pour que les étrangers savent, soutiennent un pays à 100 par un saut de sortie. Donc, et pays d'accueil là tout, est-ce que la PRAL prend ça en considération? Si que c'est pas un port que le fait, un port officiel que le fait, qui en sa fête, etc. Donc, là, il pose des questions sous étrangers qui sortent. En parlant d'étrangers, là, parce que République dominicaine, c'est qui partage il là avec Haïti, et bien, c'est une côté favori pour que l'hélicoptère ça a atterri pour déposer étrangers là, de là étant. Yo continue à jouer, mais autorité dominicaine, tout bon côté par tout, yo voulait assurer que, et tout étranger qui vini, yo gain un visa, ou bien, soit va un visa, ou bien, yo gain un, et ticket, pour capable quitter le pays, pour continuer à voyager. Donc, t'as des restrictions été mettées, c'était, surtout, faut t'aies un passeport américain à mon, ou bien, un passeport canadien, un passeport dans l'autre pays, pour t'es capable venir, pour t'es capable transiter, mais t'as gain, on sait les restrictions t'es mettées, donc, étranger pas de capable, même fait que sur frontière qu'on y a, donc, étranger pas de capable passer sur frontière pour t'entrer en Haïti. Et non plus tout, haïtien qui était en Haïti, qui était bloqué pour quelque soit raison, il y a plusieurs monde qui bloqué là, qui babier déjà là, il y a monde qui était jeune pour participer, qui a participé dans le programme Biden, non, que programme, nous, les programmes humanitaires Biden, non, t'es approuvé, et monde ça pas qu'à quitter Haïti pour qu'on y a, et on connaît les Biden, dans le programme ça, les approuvés, il y a bon, 3 mois pour quitter pays Haïti ou le pays qui a participé dans le programme ça, c'est 4 pays. Donc, grand pile question qui posait justement exactement, et qui savent, est-ce que autorité américaine peut prendre en considération le fait que nous ne sommes pas capables de quitter Haïti à cause de crise, par un vol, par exemple, capsule type Port-au-Prince, par exemple. C'est vrai que, actuellement, non, Cap-Haïtien gagne 2 vols qui étaient faits lundi 25 et mars là, sorti au Cap. Pour aller et Miami, mais est-ce que l'autre étranger, est-ce que l'autre monde gagne l'autre moyen pour sortir pour Port-au-Prince, par exemple, pour venir prendre un avion dans une zone ça. Donc, c'est des difficultés qui gagnent à cause de crise ça qui peut être. Alors, en parlant de ça, il y a un président dominicain, Luis Abinader, qui lui-même, lui-même dit que a fait, par exemple, que les Nations Unies, avec l'autre pays qui a fait pression sur lui, pour le tas ouvert, ou bien encore, ou, considérer les zones frontalières, ou bien la caille, pour le tas construit, on sait, de, et camps réfugiés, eh bien, lui-même, il dit que, et tant que le président dominicain, eh bien, ça n'a pas fait, mais tant que le président dominicain, malgré pression, il dit que, quelques pays, dans la communauté internationale, fait sous lit, ou bientôt que, gain, organisation, Nations Unies, pour réfugiés, qui demandaient, qui étaient d'abord demandé ça, mais il y a l'autre pays qui l'a impliqué là dans tout pour demander le fond, parce que, et surtout dans votre pense que des populations en désarroi, il y a monté des 100 personnes par le côté aller parce que les gars continuent à s'y mettre à terre, et bien, lui-même, il dit, si c'est pour lui-même, tant que le président dominicain, ben, ça va pas faire du tout. Et c'est comme ça, tout, en République dominicaine, son idée qui pas marché bien, il y a plusieurs organisations, tout, qui a manifesté, même candidat, nous connaissons que République dominicaine va faire élection très bientôt, c'est 19 mai, eh bien, élection ça, eh bien, yo candidat ça, mais même tout, yo dit non, yo pas d'accord avec l'idée pour ta vie construit camp réfugié en République dominicaine. Donc, déjà, et il y a une organisation qui protestait, même, m'a appelé que nous devons faire nous tendre, et ouais, manifestant qui a fait, qui a protesté, c'est des organisations politiques
qui t'a protesté, ou des groupes de pression qui t'a protesté devant Parque Independencia dans Santo Domingo, qui t'a protesté contre l'IDEA et eux dire même c'est pas un bagage qui est encouragé et ont demandé pour l'ONU oublier l'IDEA et y a un bagage que y a organisateur qui dit la voix de l'Amérique, et bien il dit que Haïti avec la République dominicaine, c'est deux pays qui ennemis historiques. Même le peuple dominicain, au fond, pas gagné avec le pays. Mais au point de vue histoire, c'est deux pays qui, techniquement, qui ennemis historiques. Donc c'est ça que y a un responsable de faire. Et puis, nous parlons de vol de commencer, et puis nous parlons de conseil présidentiel là. En Haïti, crise a été à passant de que jusqu'à présent, il y a un débouché qui a fait sous lui. En termes que, un conseil présidentiel qui est censé pratiquement choisir, mais qui fêlait de temps en temps, il y a des gens qui quittaient là. Et dernière date là, c'est M. Jean Jumeau, qui est ancien responsable et section énergétique dans le pays. Et bien, monsieur, à la dernière minute, hier soir, après monsieur vient participer, monsieur quittait ça. Il dit que vous êtes représenté dans le conseil là. Et il quittait ça pour une raison. Tout simplement, il dit que il n'y parlait pour considérer, pour décider, et observateur que il vient lui-même pour qu'il ait droit de vote, et tout comme tout représentant diaspora, tout dans le conseil là, tout d'être pour qu'il ait droit de vote. Et puis, il y a une famille Lavalas, tout qui est intervenu, il y a Montana, tout qui est intervenu, et qui m'a dit tout. Parce que le groupe a été réuni pour être capable de choisir modalité pour mettre sous pied le conseil là, qui est en train de faire pour qui est le président, qui est mon président, et qui a fait modalité pour émission, et pour fonctionnement même, qui en l'a fait. Eh bien, à la dernière minute, et Montana a dit que, manque de transparence, manque, tout comme tout, la maladie, manque, donc, il m'a dit, pour retarder vote qui t'a pas fait pour être élu, un président. Donc, il était voulu que, même avant ça, sur le fait, qu'on paquet de qui était déjà fait en place, pour t'expliquer. Donc, il voulait que, qu'on mise en place qui fait, et justement, là, on commence à fonctionner, puis on calcule les mandats et les missions, on mettant à faire, il a fait et qui j'en ai pas organisé pour d'abord choisir le premier ministre, il faut expliquer qu'il a pas choisi le premier ministre. Et entre temps, qui j'en ai même tout, les offres faites, le processus pour mettre sous le conseil électoral provisoire, et puis pas oublier dans un accord, ça, qui, en tant que ça, qui était un an, la communauté internationale a demandé pour que, et justement, le conseil présidentiel a lui-même, t'es facilité ou bien qu'on permette que force multinationale, force police multinationale, ça, qui gagne dans le cap, qui t'a donné dans la tête du Kenya, et bien lui-même, il t'a donné, et lui t'a donné autorisé pour venir, venir des polices nationales là, travailler ensemble pour mettre sous pied, et puis aider combattre, aider gommer avec gang, justement, pour capable, et justement, et faciliter les problèmes de sécurité pour permettre que l'élection déroule dans le pays. Il y a tout, et en parlant de affaires élection, le groupe Yola travaille, et bien, entre temps, les gamins autour, ils n'ont pas dormi. Donc, monsieur, continue à assumer l'intérêt. Il y a encore un police qui, une police qui mourit. Et, dans les circonstances, il semble que c'est non, et pour l'insécurité, on met encore guerre, tigre, etc. Mais jusqu'à présent, et officiellement, la police nationale n'a pas fait des déclarations pour parler de situation. Mais, gang à mieux, entre temps, assumer l'intérêt, on mettait du fait dans plusieurs quartiers, dans plusieurs installations, plusieurs institutions pays, même, ils mettent des différents dans eux, boulet machine, tout bas. Donc, des actions que un peu le monde tout dit que, ils par contre, pour qui raison que gang ça, gang ils obligé à pas agir comme ça, parce que côté attaqué, c'est exactement la caille peuple là. C'est caille peuple là même, et c'est caille peuple là aussi, peuple qui même, genre, côté social, c'est eux-mêmes, cap victime de actions que a posé, etc. Donc, c'est un dossier qui vraiment était louvré, et jusqu'à présent, pour qu'on ait aucun signe qui montrait et dossier ça, M. Gangameo pral badba pour permettre que la condition de sécurité a résolu. En attendant, l'aéroport international Maïgaté est toujours fermé. Et l'hypoco l'ouvre, bon, il y a une tentative qui a fait certainement, il y a des négociations qui ont fait, etc., pour être capable de et l'ouvrir, mais ça fait longtemps, ça fait pas, pratiquement presque deux semaines, depuis l'aéroport a fermé. C'est seulement une tentative qui est faite pour l'aéroport Cap-Haïtien l'ouvrir, mais encore, on monte Port-au-Prince pour aller. Et pour aller dans Cap-Haïtien pour aller prendre un vol local, un vol international, des cas très difficiles, vu que route est très très dangereux, monsieur Gang Ameo, il est toujours contrôlé, principal artère qui dans la capitale. Donc c'est l'année et avec sujet ça, donc pour qu'on y a, nous toujours à suivre évacuation qu'a fait en Haïti, toujours pas, il y a plus de pays, même République Dominicaine rentre dans l'évacuation, tout le même tout, l'évacuation citoyen parle que des gens qui vivent en Haïti, mais Canada déploie une force
une force spéciale qui gagne qui pour protéger intérêt tout comme les États-Unis déjà fait ça déjà tout même les déploie force partout pour multiplier encore pour protéger installation américaine gagne dans pays d'Haïti. Et la France tout qui a annoncé que yo ouvert mais en principe pas recevoir et monde pas capable faire demande visa etc jusqu'à présent. Donc c'est la situation et puis pas je dis assez mardi 26 et mars 2024 et Jacques Mabab avec nous après-midi à côté nous allons parler surtout de grands points cap de miniature la suite de situation politique là dans pays d'Haïti la parler autour de situation et conseil présidentiel là qui ont gens a marché doba donc la boîte de temps en temps au monde qui quittait la quitter donc pour qu'on ça fait pratiquement trois remplaces trois monde qui quittait et qui même s'il y a remplacé toujours donc ça montre encore des difficultés qui gagne encore pour mise en place conseil ça qui était installé depuis quelques temps mais jusqu'à présent encore à cause des difficultés qui gagne entre acteurs politiques surtout mais ça pour faire donc on a pris pour ne parler de ça et puis nous va parler de l'autre point parce que pour ça qui bateau qui censé et rentrer sous pylône qui kembe pylône de support qui kembe pont dans bâtiment peut-être une étant bon ici bateau ça crée en pile panique et en pile activité commerciale surtout zone que le bar dans bâtiment sont zone que grand pile activité bateau cargo qui porter marchandises qui porter bar vini et ben tout bar ça yo camper pour qu'il y a le gouvernement américain prend engagement pour justement pour le conseil mais ça va bon petit temps mais quand même au moins autorité a mené enquête pour chercher qu'on est cause vraie cause qui était qui fait que bateau ça a frappé c'est ce contrôle ben dire c'est en panne et n'a pas informé ou été branché avec monsieur Jean-Bert Philippe et nanon Fred Kaimi m'a dit tout merci en pile moi bien content de retourner en quand même content que en pile nous pas tellement web gien nous qui web en pile sur Facebook mais gien monde gien parmi tout tab babito le fait que nous pas ta web.